Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, à vous tous qui vous suivent à travers le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je dis à moi, il y a une parole de réconfort pour chaque type de broche de nous. C'est racheter le temps quand les jours sont mauvais. C'est la parole de Dieu, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Ça que vous avez fait aujourd'hui, ne pas quitter pour demain, parce que demain pas pour vous. Parce que bien aimé, le temps, l'icône ne mettrait pas créateur, qui c'est mon Dieu. Ça veut dire contre le temps, pas dans les hommes. Contre le temps, c'est dans mon Dieu qui est lié. C'est ça que fait Moïse, t'a parlé dans Somme 90. Il dit, Seigneur, vous aidez-nous pour nous comprendre comment vous nous appliquer Joudouyo à la sagesse. Donc ça veut dire, chaque jour que nous sommes, nous ne devons pas gaspiller tant nous. Donc, jour ça que nous devons appliquer à la sagesse de Dieu pour nous faire ça qui doit. Parce que nous, ce sont des missionnaires, nous dépassons sur la terre. C'est une mission que nous venons accomplir. Chaque homme qui vient sur la terre, Dieu nous a envoyé pour que nous accomplions une mission pour lui. Mais si toutefois que nous gaspillons tant nous, donc, mes bien-aimés, l'IPAP paraît très difficile parce que nous gagnons compte à rendre devant l'Éternel. L'apôtre Paul dit nous tout pour nous comparer devant le tribunal, pour nous aller expliquer pendant que nous avons vu dans le ça, comment nous avons agi, comment nous avons comporté, mes bien-aimés. Parce que je dis à. Il y a un bon de tristesse, il y a un bon de joie parce que selon la chair que personne n'a pas besoin de vivre d'habitude avec la mort parce que je dis à nous sommes participés dans un enterrement, il y a un frère bien-aimé nous en Christ, il y a un compagnon d'Ève, mais bien-aimé, c'est triste dans la chair, mais en même temps, en esprit, nous réjouit parce que nous connaissons tout le monde qui est pour passer et dans lier ça. Pas de monde qui a marché sous terre, qui vit sous terre, qui va passer par là. Donc c'est ça que fait pendant que nous vivons dans le corps, nous besoin d'arranger nous d'abord, mes bien-aimés. Nous besoin de connaître qui ça a fait avec tant que Dieu veut nous pour nous vivre. Donc, nous besoin de connaître exactement qui ça pour nous faire. Comment pour nous marcher dans la volonté, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Chrétien besoin de marcher tout sauvé, marcher dans la sainteté. Parce que mes bien-aimés, nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'est, c'est bien après tout. Nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'est. Donc, mes bien-aimés, nous va quitter la terre. Et l'homme l'a composé de trois parties. La trichotomie de l'homme, trois parties. L'homme est composé de esprit, âme et corps. Donc ça veut dire, dans trois parties que l'homme possédait, nous gagnons un corps. Les gens qui mourent, le corps, ils retournent, ils pourrissent dans la terre, genre que la Bible dit. Mais dans l'homme, ils retournent à le jouer de mon Dieu. L'esprit a dit, ils retournent à le jouer de mon Dieu. Dans l'homme, ils étaient en question. Donc dans l'été en question, soit que si vous êtes un monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, eh bien vous êtes pour aller dans le paradis, dans la félicité éternelle. Mais si toutefois que vous êtes un monde qui a marché selon la chair, selon la vanité de ce monde, donc vous êtes pour louer avec l'enfer. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Pas de monde qui libre sur la terre. Chaque monde a gagné un droit pour y aller. Chaque monde a un droit à côté que vous pouvez passer l'éternité. Ce soit qu'on passe l'éternité au bien-aimé ou bien on passe l'éternité au mal-aimé. Donc, pas qu'il y a sorti de là, pas qu'il y a l'autre endroit, pas qu'il y a sorti, mais bien aimé. C'est ça que fait, nous besoin arranger nous d'abord, nous besoin de comment vivre pendant que nous vivons encore ça. Parce que frère, ça que nous avons expliqué là, son frère qui sorti, qu'il mettait un jour de travail, il quittait deux petits bouts tout petit avec madame Lilakay, donc, il sorti, il partout d'air. Il fait un accident de travail là, il tout bébé, il pas parlé, c'est l'hôpital madame l'a rencontré, il partit madame l'a rien encore, donc il tout mourit. Donc je dis à nous sommes participés dans l'enterrement. C'est triste, mes bien-aimés, dans la chair. Mais en esprit nous réjouit. Parce que la mort c'est gain pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc une fois qu'on gagne Christ, la mort c'est gain. Parce que nous dans Christ, nous ne pouvons pas mourir. Et mes bien-aimés, en réalité, parce que ça fait monde qui dans Christ n'a pas qu'à mourir, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il dit Dieu nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, nous mourons déjà. Les chrétiens nous mourons déjà. Nous mourons avec Christ, comme l'apôtre Paul dit. Ouais, car j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant sur ce de plus moi qui vis, selon Galates 2, verset 20. Donc ça veut dire, ben, bien aimé, nous sommes ceux qui mourons déjà en Christ. Nous mourons déjà en Christ. Oui, nous pas qu'à mourir encore. Ça veut dire, nous vivons au siècle des siècles. Parce que nous positionner en Christ, c'est une position en Christ. Ça veut dire que Dieu nous a positionnés en Christ pour que la mort ne règne pas sur nous, pour que la mort ne gagne aucun pouvoir sur nous, pour que la mort ne gagne aucune autorité sur nous. C'est ça que Dieu lui fait pour nous en Christ. Donc, dans partie ça, que la mort c'est un gain. La mort c'est un gain qui a lieu pour nous, mais bien aimé, c'est important pour nous comprendre ça. Qu'on n'est pas dans qu'il a vécu dans comme ça, comment nous devons comporter. Parce que nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'est. Nous devons nous quitter la terre et nous devons nous rendre compte devant mon Dieu qui ça nous te fait pendant que nous vivons dans la vie ça.
profiter le temps sous car évangéliser jodi a. Oui, c'est important. La grande commission de l'église Matthieu 28 verset 19 et 20. Il dit à le faire disciple dans toute nation et à travers le monde entier. Sous car évangéliser sous car prier. Sous ce monde qui ca intercéder. Chaque ça que au gain temps pour faire ce fait, pas quitter le pour demain parce que demain pas pour vous. Mais bien aimé, demain pas pour vous. Nous disons ça encore. Demain pas pour vous. Rachetez le temps car le jour sera mauvais.